C'est 1357 interpellations qui sont comptées à partir de ce matin. Et je voudrais insister sur le fait que sur les 1357 interpellations, il y en a 751 qui sont des objectifs judiciaires, c'est-à-dire des personnes que les magistrats avaient, avec les services de police, en amont, dit qu'il fallait interpeller, ou le RAID, le GIGN, la police judiciaire, les gendarmes sont venus tôt le matin, encore comme ce matin ici à Dijon, interpeller, essentiellement pour du trafic de stupéfiants, mais ça peut être aussi du banditisme sur d'autres sujets qui est en lien avec le trafic de stupéfiants.